Salam alaikum, Azouf Laoun, bonsoir. L'article 66 de la loi de finances a suscité, pour le mois, une grande inquiétude dans tout le pays. Même si la classe politique a plutôt observé un profil bas, comme si elle regardait ailleurs. Cet article et d'autres dispositions encore de la même loi de finances marquent pourtant un véritable tournant dans ce qui nous avait toujours été présenté, y compris par le président actuel, comme des options idéologiques irréversibles, c'est-à-dire la détention par l'État des ressources naturelles du pays et ses entreprises les plus emblématiques, les plus stratégiques, si on peut dire. Le gouvernement, puis le Parlement, auraient pu, chacun dans ses prérogatives respectives, mettre les garde-fous nécessaires pour lever tout équivoque et faire en sorte que le capital de ces entreprises soit préservé. Ce ne fut pas le cas. Le législateur a fait en sorte, de façon on ne peut plus claire, de laisser toute latitude aux politiques futures de brader ces secteurs. Mais, comme le régime est en pleine manœuvre politicienne, pour publier le projet le plus important, le plus grave et le plus décisif depuis l'accession du clan Bouteflika au pouvoir, le fameux projet de nouvelle constitution, censé annoncer la succession et la mettre sur rail, ce régime a besoin d'instaurer la plus grande sérénité possible, ou plutôt une léthargie politique et sociale intégrale. Il use à cet effet de techniques et d'autres pour rassurer l'opinion publique. Et c'est ainsi qu'en même temps qu'il abat sur tous les barons du régime qui osent manifester la plus petite velléité d'opposition à ses plans un point d'acier, il envoie ses journalistes, ses politiciens et tous ses relais politico-sociétaux rassurer les chaumières. C'est ainsi que le ministre des Finances, Abdelrahman Ben Khalfa, a usé d'un discours particulièrement anesthésiant pour continuer d'endormir le Sénat, encore plus qu'il ne l'était déjà, lors de sa séance plénière consacrée au projet de loi de finances pour 2016. Ce ministre a affirmé aux sénateurs que les entreprises publiques stratégiques, a-t-il dit, comme Sonatrach, Sonelgaz, Algérie Télécom, etc., ne sont pas concernées par l'article 66 de la dite loi de finances qui prévoit pourtant expressément toute latitude de privatisation de ces mêmes entreprises publiques et d'autres encore. On croit rêver. Ces professions de foi qui se veulent patriotiques, nationalistes et tout ce qu'on veut auraient pourtant très bien pu se décliner de façon légale, législative et réglementaire. C'est-à-dire affirmée par la loi et la réglementation dans des lois et des décrets. Au lieu de cela, pendant que celles-ci, les lois, dispose sans aucune ambiguïté que le capital de toutes les entreprises publiques peut être cédé aux détenteurs de capitaux, y compris étrangers. Le dit ministre
vient dire verbalement, cette fois-ci, que ceci ne sera pas le cas. On croit rêver. Je concocte une loi qui me permet de brader les dites entreprises, dites stratégiques, et je viens raconter des salades à des pseudo-sénateurs qui gobent gentiment le contraire verbal d'une réalité légale. Hallucinant. Aujourd'hui. Le quotidien d'Oran. Ouverture du capital, les entreprises stratégiques non concernées. Par Monsef Wefi. Liberté. Le ministre des Finances affirme que les secteurs stratégiques ne sont pas concernés. Privatisation, le gouvernement veut rassurer. Par LH. El Watan. Les cours toujours en baisse, le Brent se rapproche des 36 dollars. Par Roumadi Melissa. Avec nous aujourd'hui, donc, deux invités, Sofiane Gilali, président de Gil Jadid, et Sami Ossedir, coordinateur général d'Ibtikar. Nous allons commencer par Sami Ossedir, qui est avec nous aujourd'hui par Skype. Sami Ossedir, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie encore une fois, Sidi Jamal. Merci. Alors, la loi de finances 2016 donc, est passée. Elle permet l'ouverture du capital de toutes les entreprises algériennes. Il n'y a aucune précision faite sur ce qu'ils appellent, eux, les entreprises stratégiques. Mais le ministre des Finances, devant le Sénat, a affirmé, mordicus, que les entreprises stratégiques, dit-il, Sonatrach, Sonelgaz, etc., ne sont pas concernées par la privatisation. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bien, tout d'abord, permettez-moi d'abord de vous dire qu'une loi de finances est un instrument parmi tant d'autres. Ce qui pêche, à mon avis d'abord, c'est cette loi de finances est au service de quelle stratégie économique, de quelle politique économique. Et dans le terme politique économique, il y a politique. Alors, permettez-moi de vous dire que moi, je ne vois pas quelle stratégie il y a. Ce que j'ai vu, c'est que pendant les 15 dernières années, l'Algérie a eu beaucoup de ressources. Qu'avons-nous fait de ces ressources pour mener les nécessaires réformes? Nous n'avons pas mené ces réformes. Aujourd'hui, nous sommes en déficit de stratégie, tant politique qu'économique. Et effectivement, cette loi de finances qui aujourd'hui est apparue quoi, il y a quelques jours, me semble véritablement être l'illustration de ce manque de visibilité. Nous n'avons ni guide, ni gouvernail, et nous avons perdu notre boussole. Voilà. Quant aux privatisations plus particulièrement, là aussi, il faut savoir de quoi nous parle. Je pense qu'il ne faut pas diaboliser les termes. Lorsqu'on parle de privatisation, en fait, il faut savoir à quoi elle doit nous mener. D'abord, maximiser les ressources de l'État. Deuxièmement, apporter de l'emploi. Troisièmement, apporter des technologies. Quatrièmement, ouverture de nouveaux marchés. C'est à l'aune de ces critères que nous pourrons juger de cette loi et surtout de son effectivité. Quant à la question des secteurs stratégiques, il y a déjà 200 de ça, j'avais mis le doigt sur une question qui me paraît essentielle. Que veut dire stratégique aujourd'hui en Algérie? Permettez-moi de vous dire d'abord, cette notion d'indépendance nationale, il faut véritablement la regarder de face. Aujourd'hui, nous sommes totalement dépendants et non pas indépendants. Je m'explique. Nous importons quasiment tout ce que nous mangeons. Nous importons les machines. Nous importons avec les armes avec lesquelles nous devrions nous défendre si nous sommes attaqués. Alors je dirais qu'aujourd'hui, en termes effectivement d'indépendance nationale, il faut d'abord définir le concept, ce que nous apportons de sous cela, et puis surtout ne pas oublier qu'effectivement, un secteur stratégique, il faut le définir sur le papier et non pas juste en termes de mots ou dit à une tribune, quelle qu'elle soit. Mais Sami Ossedir, sans rentrer dans des considérations, j'allais dire idéologiques pour ou contre les privatisations, moi ce que j'aimerais vous entendre commenter, c'est cette sorte de schizophrénie politique où, sans présumer de la privatisation de quelque façon que ce soit, où dans la loi on ouvre la porte à toute privatisation, il y a toute latitude légale de privatiser, et que sur un plan verbal, sur un plan, j'allais dire, propagandiste,
un ministre de la République va voir les sénateurs, il leur dit non, il n'est pas question de privatiser Sonatrach, Sonelgaz, etc. Pourquoi, dans ce cas, ne l'ont-ils pas fait de façon légale ? Mais je vous parlais de l'impréparation, d'abord, parce qu'effectivement, pour moi, c'est un signe d'impréparation. Et puis, permettez-moi de vous dire qu'il y a deux Algéries. Il y a l'Algérie formelle, celle des textes, et il y a l'Algérie informelle. L'Algérie informelle, c'est avec laquelle les gens, certaines personnes, certaines féodalités économiques, arrivent à transiger. C'est ce qui se passe au-dessous de la loi. Donc effectivement, il y a toujours cette possibilité qui est donnée de faire des transactions sans qu'on sache véritablement ce qu'il y a dessous. Et je pense que ce discours qui a été tenu, et cette loi, ce projet de loi plus précisément, représente véritablement l'exemple de cette Algérie formelle qui empêche les citoyens de faire, et de cette Algérie informelle qui permet beaucoup de choses à certains d'autres. Restez avec nous, Sami Ousseddiq. Je reçois Sofiane Djilali qui sera avec nous au téléphone. On n'a pas pu la voir par Skype, malheureusement. Sofiane Djilali, merci d'avoir accepté notre invitation. Et avec plaisir, le bonsoir pour vous-même, vos téléspectateurs, et bien sûr votre invité, Sami Ousseddiq. Merci beaucoup. Alors, même question, Sofiane Djilali. Que pensez-vous de cette double attitude de faire passer de grosses choses par la loi de façon légale pour ouvrir toute la marge possible et imaginable pour une privatisation des capitaux des grandes entreprises dites stratégiques, et d'un autre côté, on envoie, on délègue, on dépêche un ministre qui va rassurer dans les chaumières et dans le Conseil d'État pour dire aux sénateurs « Non, 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 rassurez-vous, ces entreprises ne seront jamais privatisées, leur capital ne sera pas ouvert au capital privé. » Écoutez, on est habitué au double langage des gens au gouvernement. Je rappelle que M. Bourkhalfa, lors de son intervention à l'APN, il avait explicitement dit qu'il n'y avait aucune exception dans les entreprises qui allaient être touchées par cet article 66, et que même à la radio chaîne 3, donc c'est une radio d'État, où il a essayé de faire front par rapport à ce qui s'était passé à l'Assemblée nationale avec un peu la fronde des députés de l'opposition, mais il avait là aussi dit qu'il n'y avait absolument aucune exception. Simplement, et là contrairement un peu à ce que vous avez dit en tout début de votre intervention, comme les partis politiques avaient violemment réagi, moi-même j'avais réagi contre cette disposition chez vous dans votre émission et en expliquant que c'était Sonatrach qui était visé. Lorsqu'il y a eu cette fronde généralisée, le gouvernement a eu peur et maintenant il change de langage simplement, mais bien entendu que rien n'a changé dans le fond et qu'à la première occasion ils vendront Sonatrach, Sonelgaz et tout ce qui peut ramener quelques centimes pour apaiser le Front social, mais surtout pour encore mettre dans les poches de la clientèle. Mais en quoi a-t-il eu peur, Sofiane Djilali, en quoi ce régime a-t-il eu peur, puisque visiblement il n'y a que quelques députés qui ont bougé, l'opposition en elle-même, je parle de la CLTD par exemple, n'est pas parvenue à mobiliser la rue. La rue est complètement indifférente. Le régime joue sur du velours, visiblement. Ce n'est pas aussi évident que cela. Bien entendu, les Algériens ne vont pas se mobiliser autour d'un mot d'ordre politique. Ça, c'est clair. Tout le monde l'a bien compris. Ils n'ont pas envie de révolution pour que tout leur échappe ensuite entre des mains. Simplement, c'est que maintenant le marché palpable, lorsque vous allez au marché, ça devient absolument invivable. Les augmentations vont venir frapper de plein fouet, particulièrement les classes moyennes qui vont devoir céder de leur pouvoir d'achat de 20, 30 ou 40%. Je crois que la situation va devenir absolument invivable dans quelques semaines ou quelques petits mois. Alors les Algériens sont très très sourcilieux en ce qui concerne le pétrole. Tout le monde sait que nous vivons sur le pétrole, que c'est cette rente-là qui permet à chacun d'avoir cette petite sécurité et que n'ayant absolument aucune confiance en ce pouvoir, tout le monde se dit c'est bon cette fois-ci, ils vont vendre tout le pays, prendre l'argent et passer de l'autre côté.
Mais Sofiane Djinali, une question que je vais poser à Samuel Sadiq aussi. Qu'est-ce qui fait que ce régime essaye, on dirait, de calmer le jeu, d'envoyer son ministre rassurer les sénateurs? Est-ce parce qu'il est en train de vouloir mettre le fameux projet de constitution sur les rails? Est-ce que ce projet de constitution contient les choses qu'on imagine et qui vont être tellement grosses, tellement énormes, qu'il a peur de bouleverser un peu la scène politique? Il est évident, tout est possible. Je pense que le régime veut se perpétuer absolument. Donc ils vont ficeler une constitution, probablement pour mettre un poste de vice-président qui devrait continuer le mandat du président actuel. Et donc on aura un président nommé par le président actuel. Mais au-delà de cela, il y a aussi ce bouillonnement même à l'intérieur de ce qui était le pouvoir. On a vu tout dernièrement la lettre de Zahoni également. Ce n'est pas anodin. Monsieur Zahoni était extrêmement proche du clan présidentiel, mais il avait, semble-t-il, gardé une certaine autonomie. C'était un homme, un ancien homme des services aussi. Et cette demande, semble-t-il, vient donner un bon coup de pied dans la fourmilière. Mais si vous permettez pour la troisième fois, j'ai quand même une petite idée que je voudrais développer. Je vous en prie. Il ne faut pas faire la confusion entre ce qui est privatisation en général, ce qui est l'entreprise libre et ce qui est détention par l'État d'un capital public. Le grave problème qui se pose chez nous, c'est que s'il devait ouvrir le capital d'entreprise publique, on ne sait pas sur quelle base d'évaluation cela va se faire. Comme il y a eu l'expérience des années 2000, où on a vu un bradage total des biens et des moyens des entreprises. On a vu des entreprises qui avaient, par exemple, en stock plusieurs centaines de millions de dinars, mais qui ont été cédés aux dinars symboliques. Des sociétés qui avaient des terrains constructibles, des bâtiments, et tout cela a été donné pour rien, pour du beurre. Alors c'est ça la grande peur. S'ils commencent à ouvrir le capital, on ne sait pas sur quelle base d'évaluation, premièrement. Deuxièmement, on ne sait pas le processus. Troisièmement, ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'ils vont mettre à disposition de certaines de leurs clientèles l'argent des banques, et y compris la possibilité de s'endetter en devises sous couverture et garantie de l'État algérien. Et ces hommes-là, en n'apportant rien du tout, vont s'acheter des entreprises de coûts faramineux, et ils vont nous payer avec l'argent de ces entreprises, c'est-à-dire, comme le dit l'adage algérien, donc c'est une affaire directe de moyens et de patrimoine public vers quelques personnes qui sont proches du clan présidentiel, des amis et des coquins. Restez avec nous, c'est très intéressant ce que vous nous dites là. Je vais demander à Samuel Sadiq d'abord de répondre sur la même question que j'ai posée à Sofiane Djinali concernant cette mise sur rail de la Constitution éventuelle qui semble pousser le régime à vouloir calmer le jeu pour essayer d'obtenir une sorte de léthargie. Mais ensuite, je vous demanderai de commenter ce que vient de dire Sofiane Djinali en matière d'évaluation des capitaux des entreprises qui vont être ouvertes, des facilités qui vont être accordées aux clientèles pour leur permettre de s'accaparer ces entreprises, etc. Je vous en prie. Merci. Tout d'abord, je voulais dire qu'effectivement, la matrice, le régime, le système, la matrice, aujourd'hui est en train de se recomposer. Elle se recompose parce qu'elle est au bout d'une séquence historique. Aujourd'hui, compte tenu de la raréfaction de ses ressources symboliques et financières, elle se trouve dans un certain dilemme à résoudre. Donc elle mute. Et cette mutation, effectivement, nous la voyons, nous, je dirais spectateurs, et c'est bien grave, en tant que citoyen, que de devenir spectateur dans son pays et dans sa République. Alors, en tant que spectateur, je dis bien cela, nous voyons effectivement les luttes de clans, ou en tout cas les cris que l'on entend à travers les murs du palais. Et c'est un peu embêtant, encore une fois, je vous dis. Alors, pour ma part, je pense qu'effectivement, si on connecte ça avec la situation économique,
Effectivement, la situation économique est très difficile. Il y a un empilement des crises, qu'elles soient économiques, politiques et financières, qui font qu'aujourd'hui, d'une certaine façon, on a décidé que l'État n'était plus le représentant, plutôt le lieu symbolique d'un concept, malheureusement, qui a disparu, qui est l'intérêt général. Nous ne sommes plus dans l'intérêt général, mais nous sommes, je dirais, dans les intérêts particuliers. Et c'est Sofiane que je salue, a parlé effectivement des clientèles. Je dirais que nous ne sommes déjà plus dans les clientèles, nous sommes dans les féodalités. Parce qu'il s'agit maintenant de féodalités économiques qui ont décidé de prendre d'une certaine façon les clés du camion pour nous dire « nous avons une politique économique ». Alors, soyons sérieux, une seule minute. L'État n'est aujourd'hui, à travers tous les systèmes à travers le monde, l'État est le seul garant de l'intérêt général. Mais l'État, un véritable État, qui soit le représentant de la res publica, la République, et non la res privata, ça veut dire la République privée. Et ça, c'est important. Nous sommes passés d'un État, je dirais, qui était le symbole de l'intérêt général, à un État qui est devenu d'abord, qui s'est bien déprécié, et qui est devenu aujourd'hui le réceptacle des intérêts des féodalités particulières. Alors, pour les privatisations, je rejoins ce qu'a dit Sofiane, je dirais trois éléments fondamentaux. L'évaluation, tel qu'il a été dit, le prix de cession, qui est important, et le nom des acquéreurs. Ce sont là trois conditions qui demandent quelque chose que nous n'avons pas en Algérie. J'ai vu de très près les privatisations passées et elles n'ont pas été là. C'est quoi ? C'est la transparence. Dans une république, dans une démocratie, nous nous targuons d'être cela, il faut que ces processus soient transparents. Or, notre culture politique, malheureusement aujourd'hui, est plus celle de l'occultation, celle du, je dirais, des choses cachées, plutôt que la transparence des procédures. Et sans transparence des procédures, nous irons encore, comme l'a été dit, sur ce qui a été fait dans les années 90. Effectivement. Et je rajouterai aussi, il faut que nous fassions aussi le bilan, un bilan dépassionné, un bilan du secteur public, savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Là, nous pourrons effectivement décider ce qu'il y a à privatiser, ce qu'il n'y a pas à privatiser, et surtout que ces privatisations, si elles doivent avoir lieu, elles doivent être menées. Je dirais mais qui, Sami Ousseddir, qui sera habilité à faire ce bilan? Qui sera habilité à décider de ce qui sera rentable ou pas? Je vous donne un exemple. Dans les années 90 et 2000, quand ils ont bradé le secteur public, c'est 1 million de travailleurs qui a été remercié, qui a été compressé, comme on dit, dégraissé, et on dit, il n'y a même pas de chiffre quand vous parlez d'opacité. On ne sait pas de quel taux ce secteur public a été bradé. Il y a des gens qui parlent de 60%, d'autres de 85%. Ça, c'est vous dire qu'on ne sait même pas ce qui a été bradé et ce qui ne l'a pas été du patrimoine du secteur public. Vous revenez à la distinction que je faisais entre l'Algérie formelle et l'Algérie informelle. Vous savez, oui. Cette Algérie informelle qui s'est accaparée une bonne partie de la richesse algérienne, effectivement, nous n'avons pas de chiffres sur les transferts qui ont été faits en leur direction. Mais vous m'avez coupé tout à l'heure, si vous permettez. Je vous en prie. Lorsque je vous posais ces conditions-là sur la transparence, elles ne sont pas réunies. Vous savez pourquoi elles ne sont pas réunies? Parce que nous sommes dans une société de défiance. Il y a une défiance vis-à-vis de nos politiques, vis-à-vis de la matrice. Or, si vous voulez avoir un projet d'avenir, je crois que l'Algérie en a urgemment besoin. Vous ne pouvez le mener que si vous avez véritablement une légitimité, et cette légitimité ne peut être véritable dans ce moment difficile que nous traversons, elle ne peut être que le résultat, je dirais, d'un mouvement total, national, une réunion des forces. Si on continue ainsi, je ne vois pas d'avenir économique à notre pays. Restez avec nous, Sami Ousseddir. Je rappelle que nous allons ouvrir le standard dans un petit moment, pour nos téléspectateurs qui souhaitent poser des questions à nos invités ou faire des commentaires. Sofiane Gilali, aujourd'hui le Brent est aux environs de 36 dollars. C'est hallucinant. Jamais on n'aurait imaginé qu'il puisse arriver à un tel niveau. Qu'est-ce que ça va signifier en termes économiques pour notre pays ?
termes économiques, 36 dollars le pétrole, c'est un tiers de nos entrées de 2014 ou de 2013. Un tiers, 30%, c'est la perte de 70% de nos moyens financiers. Là, on va aller vraiment vers une situation, on peut le dire, dramatique. Ça va toucher des pans entiers de la population. Les gens n'ont pas encore idée, mais je vous garantis que ça va être terrible. C'est le signe aussi d'un affaiblissement général de l'économie dans le monde. Le fait qu'il n'y ait pas de reprise, pourtant maintenant l'Europe, même les États-Unis bénéficient de moyens énergétiques beaucoup moins chers depuis près d'une année, un peu plus d'une année. À titre d'exemple, la France, par exemple, a économisé 35 milliards de dollars durant cette année grâce à la baisse du prix du pétrole. Donc il y a un transfert extrêmement important de richesses des pays producteurs vers les plus gros pays consommateurs. Et malgré cela, l'économie dans le monde ne repart pas. L'économie chinoise a encore quelques difficultés. On voit bien que cette fin d'année est extrêmement tendue sur les places boursières. Aux États-Unis, ils attendent la décision de la Fed si elle doit augmenter les taux directeurs, peut-être de 0,25. Mais avec une possibilité d'effondrement et de perte de valeur au niveau boursier, les bourses occidentales ont perdu en moyenne 10% ce dernier mois, avec des risques d'explosion encore. Donc, dans ce grand tourbillon international que nous avions depuis longtemps annoncé, puisque les vrais spécialistes le savaient, ils le suivaient, ils disaient que la situation était mauvaise, mais l'Algérie n'a pris aucune disposition. Ce sont des gens qui vivent dans leur propre univers, dans leur rhétorique et leur démagogie. Lorsque je vois un Ouyahia ou un Seyel, ça vous donne des cauchemars la nuit. Ce sont des gens totalement déconnectés qui ne comprennent rien de ce qui se passe dans le monde, qui prennent des décisions aussi stratégiques et importantes. Le président de la République n'en comprend pas. Nous sommes dans une situation où il y a un naufrage complet et ces hommes politiques sont devenus des épaves. Ce n'est pas ces derniers qui vont mettre en place une économie, ni M. Haddad qui ne sait même pas de quoi il retourne, sinon peut-être voir le relevé de ses comptes à l'étranger. Voilà le drame et le malheur où on est. Et dans quelques mois, je pense que la colère des Algériens va montrer de quel bois elle se chauffe. Restez avec nous, Sian Djilali. Nous allons ouvrir le standard pour nos téléspectateurs qui vous poseront, ainsi qu'à Sami Ossadik, des questions éventuellement. Un petit intermède et nous revenons à vous. Pas d'intermède. Adnan, من فرنسا. Adnan, je vous en prie. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam, ahlan si Adnan. Je vous en prie. Moi, je vais intervenir par rapport à ce que vous disiez par rapport à l'économie algérienne. Oui. Et par rapport au constat que vous faites en tant qu'expert, le constat, il est là. Donc, il nous faut des solutions pour sortir de cette crise définitivement. Et moi, mon avis, c'est de trouver un homme rassembleur qui sera un homme d'État, quoi, un homme digne de ce nom, un président, un vrai président de la République, que tous les Algériens se rassemblent derrière lui. Et moi je pense, hein, sans fausse prétention, que l'homme de la situation, c'est M. Soufiane Djilali. Pas parce que je soutiens Soufiane Djilali, moi j'ai toujours soutenu Jabhallah, Abdullah. Sauf qu'aujourd'hui, avec le constat qu'on fait, l'homme de la situation, c'est bien Soufiane Djilali, parce que par rapport à ses antécédents, par rapport à sa formation, par rapport à ce qu'il a comme bagage, je pense qu'il est l'homme que tout Algérien peut accepter comme président pour passer une période de stabilité, pour mettre l'Algérie sur les rails. Et après, il y aura une démocratie où tout le monde se présente. Et s'il y a, merci. Merci, Adnan. Merci. Houssine de Londres. Jamal Den. Houssine, salam alaikum. Allez, c'est Houssine. Je vous en prie.
Oui, Jamal, j'ai une question, M. Siddiq. Je vous en prie. Alors, au lieu de nous noyer dans les détails des lois de finances et tout ça, est-ce qu'il ne pense pas qu'il est temps de revenir reprendre les pensées de M. Marc Benabi? Il a profondément étudié les conditions de décollage d'une économie d'un pays. Et il a donné plusieurs exemples de quelques économies qui ont échoué, par exemple l'Indonésie, il a donné l'exemple de l'économiste allemand qui a fait décoller l'Allemagne, mais qui a échoué en Indonésie, tout simplement parce que ça venait pas des profondeurs de la société. Toute économie qui vient pas des profondeurs de la société, elle est vouée à l'échec. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc nous allons directement à Samuel Seddiq. Vous avez entendu l'intervention de Hussein de Londres. Vous pouvez. J'ai entendu l'intervention de Hussein. Je le rejoins sur un point. Il faut surtout pas se noyer dans les détails de la loi de finances. Et j'ai commencé par ça. Je le rejoins aussi sur les conditions anthropologiques. Sur l'histoire des pays, leur civilisation et pourquoi ils en sont là. C'est une analyse effectivement qu'il faut mener, qui a été menée par certains. On peut effectivement reprendre certaines analyses de Rahmous Ibn Nabi. Et là, je le rejoins effectivement. C'est un travail de longue haleine et il n'y a que le peuple algérien avec des dirigeants qui sont légitimes à travers un processus endogène qu'on pourra arriver à quelque chose. Je rejoins ce qu'il dit. Très bien. Restez avec nous, Nordine d'Alger. Nordine d'Alger. Nous l'avons perdu. Alors, Salim d'Alger. Salim. Salim d'Alger. Oui. Je vous en prie, Salim. Tfadal. Alors, j'appelle pour intervenir. Dans l'émission qui a lieu maintenant sur le Maghreb. Je vous en prie, vous êtes en ligne. Alors, ce que je dis est ceci. Ceux qui nous gouvernent n'ont aucun lien, aucun rapport avec la société algérienne et le peuple algérien. Je vous raconte à cet effet une histoire réelle. J'ai eu l'occasion de connaître un des généraux algériens. Lorsqu'il a pris sa retraite, il a été faire le marché, comme n'importe quel citoyen, je l'ai rencontré, il m'a dit... Nous ne vivons pas en Algérie. Nous ne connaissons pas la société algérienne, ni comment vit le peuple. Alors tous ces responsables qui sont en train de diriger l'Algérie n'ont aucun lien avec l'Algérien et avec le peuple algérien. Ils légifèrent dans des bureaux loin de la réalité socio-économique algérienne. Bien. Je voudrais également autre chose. Je vous en prie. Un des intervenants a parlé de Sofiane Gilem. Oui. Il est magnifique, je n'ai aucun reproche à lui. Moi, j'avancerai un autre nom. Je vous en prie. C'est celui de Boukrouh Nordine, qui avait démissionné du gouvernement algérien, et il ne s'occupe que de la vulgarisation de la pensée de Marc Ben Nabi. C'est un homme intègre, honnête, on n'a absolument rien à lui reprocher. Très bien, merci, merci. Mohamed d'Alger, avant de revenir à Soufiane Gilali. Mohamed Benzer. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Tfadal, c'est Mohamed. Monsieur Khair. L'iqtisad du Jazair, si vous permettez, une très langue arabe. Tfadal. صح فيما يخص الاقتصاد في الجزائر على بالك الاقتصاد مش كما قال الاخ سابقا منبوع من حضاراتنا هذا يعني الاقتصاد العالمي ضر بال الاقتصاد العالمي ضر بالاقتصاد الجزائري وهذه التعامل هذه تعامل الربا وتعامل والذهب احنا عندنا دين ولازم لازم نولوا للذهب والفضة هذا هو داكور بارك الله فيك سي محمد نرجع لسفيان جلالي Soufiane Gilali, donc voilà, Adnan demande d'abord, il voudrait savoir quelles sont les solutions qui sont préconisées. Il dit qu'il nous faut un vrai rassembleur, un vrai président, un homme derrière lequel on pourrait marcher. Et il vous propose, vous,
comme cet homme-là. Écoutez, je suis honoré par son intervention. Le problème fondamental du point de vue politique est d'abord de mettre en place un mécanisme de respect de la souveraineté populaire. Il faut que les Algériens aient la possibilité de choisir et d'élire librement celui ou celle qui pourront demain les diriger. Déjà, ce sera un pas immense. Quelle que soit cette personne-là, nous devrons tous à ce moment-là l'aider. Ça, c'est un premier pas. Maintenant, par rapport à quel type à mettre en place, il est évident, comme l'a dit le deuxième intervenant, qu'on ne peut pas des théories venues d'ailleurs et plaquées sur l'Algérie. L'Algérie a un problème très profond de sa société. Il est vrai que Malek Bennabi, d'autres encore un peu plus récents, plus contemporains, ont posé le problème de fond. Adil Jadid, dans quelques petits mois, on va afficher un projet de société fondé sur cette analyse de la société. Il est clair que l'Algérie, en tant que société, est en train d'évoluer très vite, qu'elle est en train de changer ses repères internes, qu'elle doit rétablir un certain nombre de valeurs. Et ça, il faut qu'elle prenne conscience de tout cela. Donc une politique économique ne peut venir que couronner une compréhension des mécanismes fondamentaux du fonctionnement de la société algérienne. Il y a plusieurs perspectives, il y a de l'espoir, il y a des possibilités. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails, ça demande de longs développements compliqués, et les gens n'ont pas tout de suivre les chiffres et autres. Restez avec nous, nous allons prendre quelques appels, puis nous revenons à nos deux invités. Saleh min al-Jazair, Saleh d'Alger. Saleh. من الجزائر العاصمة. Est-ce que Saleh est avec nous? Est-ce que Saleh est avec nous? زين العابدين بويرة. Bonjour monsieur Jamel Chenouf. Bonjour monsieur زين العابدين, اهلا بك. الله يسلمك. Bon, pour ce qui concerne notre économie, depuis 62, on a opté premièrement pour le socialisme, etc. Mais maintenant, on est dans une économie de bazar. Bon, il y a des investisseurs qui n'arrivent pas toujours à satisfaire la main-d'œuvre en Algérie. Et en même temps, on parle toujours du secteur économique étatique, public, qui souffre toujours sous les scandales. Le dernier scandale, c'est celui de la de l'Algérienne en Espagne, il y a toujours des scandales, et là on a le dernier scandale à Senvi qui a visé un milliard de dollars et rien n'est encore vu dans cette société. Donc la société algérienne étatique a été touchée dans les années 90 par, bon, je le dis pas M. Yahya directement, qui a transformé les travailleurs en des vendeurs ambulants des chaussures et de tout ce qu'il y a des importateurs. Mais aujourd'hui, notre économie est toujours très fragile. Et c'est pour ça qu'il faut opter pour une économie bien déterminée. Soit on est libéral, soit on est socialiste. On ne reste pas entre les deux. Et merci, M. Jamel. Merci, Zine Labidine. Sami Ousseddiq, vous voulez commenter les interventions de nos téléspectateurs? Eh bien, écoutez, je pense qu'à un certain moment, il faut tenir le langage de la vérité aux Algériens. Le langage de la vérité, c'est dire aujourd'hui, quel que soit le secteur public ou privé, malheureusement, nous avons dévoyé la valeur travail. Et ça, c'est important. Je pense qu'en 62, au moment de l'indépendance, qui est c'est une erreur que nous avons pu poursuivre parce que nous avions la rente qui s'est mise en place. On n'a plus qu'à consommer. De là vient notre grand souci. Parce que lorsqu'on parle de ce secteur public et qu'aujourd'hui qu'on parle de toutes les qualités du monde, il faut savoir quels ont été ses résultats du point de vue économique. Et ça, c'est important. C'est pour ça que je disais qu'il va falloir d'abord poser véritablement un bilan sur ce qui a été fait, hein, et un bilan, je dirais, qui soit dépassionné. Mais aujourd'hui, pour ma part,
Je pense qu'il n'y a pas d'autre voie que de celle de véritablement remettre le peuple au travail. Ça, ça demande deux choses. Ça demande que ceux qui nous gouvernent aient un projet légitimé et légitimant. Donc, il y ait une véritable légitimité démocratique, premièrement. Et deuxièmement, ce qui me paraît aussi essentiel, c'est que les Algériens comprennent, lorsque cela sera fait, qu'il leur faudra d'abord, d'une certaine façon, revoir leur façon, je dirais, non pas de vivre, bien évidemment, mais de consommer, parce que c'est, aujourd'hui, c'est impossible, compte tenu de ce que nous produisons, toujours. Que troisièmement, je rajouterai un autre point, que les véritables sacrifices soient véritablement répartis entre les Algériens. C'est tellement simple de faire peser tout cela sur les salariés, sur, je dirais, les consommateurs de biens de première nécessité, et de laisser tous ceux qui ont gagné des fortunes dans l'informel continuer à jouir de leurs privilèges, et même mieux, pire, si vous le permettez, leur permettre d'acquérir, dans le cadre de privatisation ou autre, de nouvelles gros biens. Restez avec nous, Samir Ossedir, il y a plusieurs appels, nous allons passer quelques appels. Moussa de Constantine. Est-ce que Moussa est avec nous? Moussa de Constantine. Allô, bonsoir. Bonsoir, c'est Moussa, Alembek. Comment allez-vous, monsieur? Ça va très bien, merci. Je voudrais intervenir au sujet des entreprises. Je vous en prie. Qui chutent en 1996. Oui. Par le même ministre de l'Industrie et des Mines. En 1996, il a été invité à la place de M. Benichou pour dissoudre les 2500 entreprises et mettre à la rue 500 000 ouvriers. Aujourd'hui, il revient par la fenêtre pour soi-disant réindustrialiser le secteur. Est-ce que c'est possible avec ces incompétents? Et je tiens à féliciter M. Gilani, votre invité au SPIC, parce que c'est des gens compétents et ils savent ce qu'ils disent. Dites-moi, quel est le ministre dont vous parlez? Quel est ce ministre dont vous parlez? Le ministre de l'Industrie et des Mines. Lequel? Dites-nous son nom. Pardon? C'est lui qui avait procédé à la privatisation, avez-vous dit, dans les années 96? Non, à la dissolution des entreprises en 1987 sous le règne de M. Drouet. D'accord, restez avec nous. Mbarak Menzair. Mbarak d'Alger. Est-ce que Mbarak est avec nous? Rah Mbarak. Mohamed d'Alger. Est-ce que Mohamed est avec nous? Hassan Redouani من تونس. نعم. تفضل, je vous en prie. Hassan من تونس, تفضل. Allô. Je vous en prie, تفضل. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. La privatisation des entreprises publiques par l'Algérie est attendue après la détérioration des prix du pétrole. Quand même, nous sommes au 21e siècle, tous les pays, presque, excepté la Corée du Nord et Cuba et Venezuela, tous les pays ont entrepris des privatisations. Mais cette privatisation doit être entretenue avec une réforme progressive de la politique et une démocratisation de la société et de la vie politique progressive avec le maintien de la survie de l'État. Merci, oui. Merci, c'est Hassan. Nous allons prendre encore deux ou trois appels et nous revenons à nos invités. Abdelmajid de Bjaïa. Bonsoir, monsieur Bajino. Bonsoir, monsieur Abdelmajid. Abdelmajid, c'est de Bjaïa, Bgaïd. Deux. On va passer par les mains. Bonsoir à vos invités, bonsoir aux téléspectateurs. Je vais être un peu bref.
l'économie, l'économisation, l'économiser en Kabyle, Tchouhou. Ça veut dire Tchouhou. Voilà, c'est clair. Alors, la Chine, avec ses 2 milliards d'habitants, avec ses 7 millions de kilomètres carrés, ils ont un seul ministre des Affaires étrangères. En Algérie, on a deux. Ça veut tout dire. Merci, merci Abdelmajid. Karim de Paris. Karim de Paris. Monsieur Nouf, mes respects du soir. Mes respects du soir, merci Karim. Alembek. Allô? Je vous en prie, vous êtes en ligne. Bah, monsieur Benchenouf, mes respects du soir. Merci, monsieur. Moi, je voudrais juste... Je voudrais être bref. Tfadal. Je voudrais dire à monsieur Ousseddik, qui est un scientifique éclairé, oui, que Dieu, Inch'Allah, lui prête vie, une longue vie et une bonne santé. Pourquoi les intellectuels algériens, ils sont muets comme une carpe? Personne ne dit rien. On a une opposition qui est muette, qui dit rien. Et ces gens-là continuent à voler, continuent à mettre le pays en découpe. Ils sont en train de le vendre à l'Occident. Rappelez-vous l'affaire de Sandouk Tadam en 62, où est passé ce trésor-là, où tous les Algériens ont contribué. Merci, Sidi Karim. Merci. Boussif, من عنبة. Boussif, من عنبة. Monsieur Boussif. Est-ce que Boussif est avec nous? Allô? Allô, je vous en prie, monsieur Boussif, tfadal. Est-ce que Boussif est avec nous? Allô, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Je vous en prie, tfadal. C'est monsieur Nouf. En ce qui concerne la privatisation des entreprises étatiques et publiques. Oui. Les entreprises, parce que quand en 96, ils ont pris Kiman Industries, leur Al-Hajjar, l'entreprise Al-Hajjar, qui a été privatisée avec des hindous. Ils ont procédé le développement marketing. Le marketing est là que pour développement des produits idéologiques de l'Hajjar. Malgré tout ça, il y a certains hommes qui sont dans le pouvoir, ils ont arrêté le processus de marketing pour le développement du produit commercialisé. Ils ont procédé avec les trois personnes, Ouyahia, Tamar, Benichino, qui ont procédé à la privatisation de cette entreprise. Malgré cette entreprise, elle a eu des bénéfices avec les matériaux, en plus, les produits sidérurgiques qui ont été importés de l'extérieur sont des produits radiés avec l'uranium. Concernant l'entreprise dans l'Ukraine, c'est des produits qui ont été vraiment touchés par le système nucléaire. Merci, c'est Boussif. Dernier rappel, Rachad. Rachid, من الكندا. Allô? Oui, c'est Rachid, تفضل, je vous en prie. Allô, bonjour, moi je viens de prendre juste l'émission, je voulais juste donner un point de vue. Je vous en prie. Moi, je pense qu'avant de parler de privatisation et de choix économiques, il faut mettre en place des structures telles qu'un code de la fiscalité et surtout des garde-fous pour pouvoir contrôler un peu les capitaux, comment ils se distribuent. Or, je trouve que avec les disparités au niveau des richesses qui se développent en Algérie, les inégalités aussi au niveau de l'injustice fiscale, je ne pense pas qu'il puisse y avoir une privatisation ou, si vous voulez, une distribution des richesses sans mettre des garde-fous, sans mettre des points de contrôle, sans mettre un système de vérification d'expertise comptable adéquat afin qu'il n'y ait pas d'évasion fiscale et surtout qu'il n'y ait pas des richesses ostentatoires comme on en voit absolument. Donc ça ne sert à rien de privatiser si on ne met pas en place les structures financières et administratives de contrôle. Merci beaucoup. Merci, c'est Rachid. Nous arrêtons donc les appels. Merci beaucoup d'avoir appelé. Le standard n'arrête pas de sonner, mais comme c'est une émission d'une heure, donc nous ne pouvons pas recevoir tout le monde, malheureusement. Donc je reviens à Sami Ousseddik.
pour lui permettre de commenter, de répondre à certaines interpellations, comme celui qui vous a demandé, Karim de Paris, il vous a posé la question, pourquoi les intellectuels dans ce pays sont-ils muets en la matière ? Écoutez, je pense d'abord que... D'abord, je remercie de me qualifier d'intellectuel, mais je veux d'abord dire que l'intellectualité ne sert que si elle est dans l'action. J'ai été haut fonctionnaire, j'ai été président de banque, et j'essaye dans mon action quotidienne et à travers Ithicar de donner à ces idées corps dans la société, à faire des choses. Ces idées puissent véritablement être sur le terrain. Pour venir aux intellectuels, il faut savoir que l'Algérie a connu ce que j'appelle trois extinctions massives. 1830, où la France en arrivant a dit « les intellectuels traditionnels, ça n'existe pas ». 62, à mise en place de la matrice, on a chassé les intellectuels et on a mis à leur place des courtisans. À partir des années 90, enfin, où on a vu l'hémorragie des cadres algériens. Eh bien, c'est compliqué. C'est compliqué aujourd'hui d'avoir une intelligentsia. Ça n'existe pas en Algérie. Il y a des intellectuels, mais qui malheureusement sont pris dans leur quotidien et qui n'arrivent pas à se sortir de cette gangue. Donc, je ne jetterai pas la pierre aux intellectuels. Je dirais qu'aujourd'hui, ceux qui peuvent faire quelque chose, essayent de le faire. Je crois que le problème aujourd'hui, c'est un problème collectif. Tout Algérien, tout citoyen, et je pèse mes mots et je rajouterai tout citoyen. Chaque Algérien doit prendre part à cette citoyenneté, demander sa part, non pas du pétrole, mais de la citoyenneté. Et la citoyenneté, c'est des devoirs et des droits. Il n'y a pas de droit sans devoir. Il n'y a pas de richesse sans travail. Tout ça dans un cadre légal avec, je dirais, des dirigeants choisis par la voie démocratique. Parce qu'il est temps qu'à la légitimité historique succède la légitimité démocratique. Merci. Merci Samir Sedek. Sophie Al-Gilali, le mot de la fin va vous revenir. J'aimerais que vous nous commentiez un peu ce que disait Rachid du Canada, que... avant la privatisation, il faudrait d'abord penser à mettre en place des garde-fous, un code de la fiscalité, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'enrichissement illicite, captation indue des richesses, aggravation des inégalités sociales, etc., etc. Donc je vous laisse conclure. Oui, il a parfaitement raison. Il a touché autant à la symbolique qu'à l'efficacité du fonctionnement. La symbolique, c'est cette richesse qui est devenu hideuse, qui est offerte aux plus malheureux, on les choque avec ça, des gens qui ne savent plus quoi faire de l'argent et qui distribuent cela de façon absolument ahurissante. Et à côté, vous avez de larges fonds de la société qui vit un peu dans la misère. Ça, c'est l'aspect symbolique. Et l'aspect de l'efficacité de l'économie, il a parfaitement raison. Nous sommes normalement dans une phase de transition économique aussi, comme on devrait l'être au niveau politique. Ça signifie qu'il faut préparer une nouvelle économie. La préparer, c'est pour passer petit à petit, sans trop de douleur, mais il faut le faire quand même, d'une économie de subvention, de rente, de distribution, à une économie de production de richesse. En même temps, il faut soutenir les plus faibles, ne pas les laisser entraîner par des bouleversements. Il faut pouvoir privatiser, mais dans les normes, mais seulement privatiser pour rester dans la même situation, ça ne sert à rien. Donc il faut accompagner ça au préalable par un mécanisme de financement, par des banques beaucoup plus performantes, avec des contrôles et de la résolution de l'État, mettre en place une vraie administration. Il y a tellement à faire, mais en bout de compte, on peut le résumer en quelques mots, c'est construire un État de droit, enfin un État de droit où chaque citoyen algérien sent qu'il est algérien, non pas parce qu'il a simplement un passeport. Ah, nous avons perdu Sien Gilali. Merci en tout cas Sien Gilali, merci à Samir Sedek. Merci à nos téléspectateurs qui nous ont appelés. J'aurais aimé qu'il y ait aussi des téléspectatrices qui nous appellent, plus de téléspectatrices. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. J'aimerais vous dire, avant que vous
nous quittiez, que nous vous quittions, que dans les années de socialisme, moi je me rappelle très bien ces années de socialisme de la mamelle, comme l'avait qualifié justement M. Nordine Boukroh à l'époque, pendant que nous avions le socialisme populaire, révolution agraire, révolution industrielle, révolution culturelle, beaucoup de discours, de slogans, etc. Les gens de la nomenclatura avaient leur coopérative, ils manquaient de rien, ils avaient tout, y compris du champagne, y compris du chocolat suisse, je me rappelle, y compris des voyages pour leurs épouses, pour aller faire leurs emplettes à Paris, je me rappelle très bien de ces années de socialisme. Ils ne prenaient que de l'eau d'Évian. Et aujourd'hui, quand ils ont libéralisé, ce sont toujours eux qui sont au premier rang de la mangeoire, du râtelier. Et si ce n'est pas eux, ce sont leur clientèle, leur parentèle, qui font main basse, qui jettent le grappin sur la bête qui la met à terre et qui la découpe en petits morceaux pour s'empiffrer. Et nous en sommes là. Donc voilà, cette émission est maintenant terminée. Merci. Salam alaikum wa rahmatullah.